Salut tout le monde, c'est Eltezo et on se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 4, si je me trompe pas, de Final Fantasy XV épisode du Sky. Donc cette fois-ci on va rentrer dans la grotte de Fokio en espérant que je me fasse pas bouillave. Alors, putain, il manque que dalle. Tiens, C'est toi qui m'as appelé. T'as des trucs partout. Mais regarde quoi ? La caillasse partout, c'est tout ce que je vois. Pareil. C'est un Final Fantasy, mais vraiment en mode aventure, j'adore. C'est franchement classe. C'est pas pour toi que je m'inquiète, hein. C'est plutôt pour le gros barreau là. Juste derrière moi. Ta gueule. Oh bordel, des gobelins. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Combien vous donnez, vous ? 25, ça va, c'est cool. Ils ont même les chapeaux et tout, quoi. Oh, il balance des trucs. Il balance de la magie. Putain. Apparemment y'a rien à... Parce qu'on voit pas le plafond. Kagameba toreru ka. Atama o utsu nayo. C'est pas moi qui irais m'aventurer là-dedans. Ce nombre de gobelins ici. Alors là mon gars, je vais t'y foutre. BOOM. Je suis en train de les bouillir, bordel. Allez, il me file des potions et tout, les trucs. Ah, j'adore parce que je suis en train de les défoncer, quoi. Ils sont bien tous dans un endroit. Ah, le tourbillon là, il a servi. Tenez, bande d'enfoirés. Putain, il y en a un paquet, hein. Ah, si je peux. Ah, il y a de la flotte ici. Pourquoi j'ai un truc violet sur la tête? Ah, ma vie elle fait que descendre. J'avais pas fait gaffe, il m'a foutu un espèce de poison. Eh les gars, je vais pas bien là. Je crois que je suis pas tout seul. Les gars, je vais mourir. Pourquoi personne fait rien pour moi? Avec Ignis, on est en train de se prendre du truc dans la gueule. Tout le monde s'en fout. Je vais me laisser crever juste pour voir ce que ça fait. Ah non, c'est bon, ça remonte. Lui par contre, il redescend encore. En gros, ça nous descend la vie jusqu'à... jusqu'à ce qu'il dit stop, quoi. Jusqu'à ce que t'aies plus de vie. Puis après, ça remonte. Bon, bah ok. Allez, c'est parti, là. Matarikuno.
J'avoue, pour une fois tu dis quelque chose de sensé. T'as l'air, tu as un de vie et ça y est, elle remonte pas. Putain, je sais pas comment on fait. Et putain, il est où? Bah, s'il est tout seul, il va prendre sa tronche, cher. Les gars, calme-toi. T'es là ton gars. Qu'est-ce que tu fais chier? J'ai un Stallone version enfant là, en fait. Putain, ils sont où ici hein? Où ils sont passés? Ah, il balance un truc autre. J'en profite à chaque fois pour ramasser les trucs, moi, tout en combattant. Eh, hey, crève. Merci. Attends, parce que les autres, ils sont passés par là. Ah, parce qu'il y avait une route. Ah oui, ils sont passés par là. C'est là où on était tout à l'heure. Moi, je suis passé par là. Je fais gueule aussi. Ça, le tourbillon, c'est pas mal pour attaquer plusieurs ennemis en même temps. Ça fait pas forcément beaucoup plus mal, mais putain, quand ils sont tas, ça fait la différence. Tu te fous de mon gueule? Ah ouais, je voulais monter pour rien en fait. Par où faut passer alors? Il y a là. Ah ouais, si. Recule. Ils ont pris trop cher. Je disais que le tourbillon c'était pas mal. Je joue tout le temps là vu qu'ils sont en tas. Bam. Le massacre qu'on a joué quoi. Ça c'est bon, c'est que bueno. Et oh là, j'y vois plus rien. J'attaque un peu n'importe où, là je focalise personne. Ça sert à rien.
Oh putain, mais c'est qu'il y en a un paquet. Ils sortent de partout. Je sais plus comment on fait les parades et encore les contre-attaques et ça sert. Aïe, ça y est, je suis tombé en rade. Putain, mais alors eux mon gars c'est une famille hein. Ah, 2000. Putain. C'est franchement des enfoirés. Au fait, Prompto, t'es un petit peu beaucoup dans la merde. Là, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as un PV. Je pense que tu prends un coup de pied dans le cul, t'es mort. Des L1 plus R1 armes fantômes pour augmenter grandement ses capacités quand ses PM sont au maximum. Mae o miro. Warukatta tte. Chotto matte. Oh. Je suis pas sûr mais je crois que celui-là il est un peu gros. Pas courir alors que l'autre il se fait bouffer. Ah, il s'est fait bouffer, il s'est fait bouffer. Ah, trop drôle. Ah mais il fera plus chier avec ses phrases à la con lui. Connard. Oh là là, c'est beau. Attendez, j'y visite. Oh merde, putain, mais ils s'invoquent les monstres quoi. Je te suis, t'inquiète. Allez, donne-moi des XP. Sinon le bémote, si jamais on finira. En gros dans le jeu t'appuies sur carré tout le temps et c'est bon. Je serai après contre le gros monstre ma nouvelle technique. Oh quoi que. Allez. C'est tout. Ah, c'est ça le truc, elle en plus, hein. Oh.
ouais, ça marche pas tout le temps. Là. Aïe. Oh, il me vole des trucs, j'avais pas fait gaffe à ça. J'ai vu vol potion. Comment on fait pour esquiver? Putain, mais je sais les touches, hein, mais... Ah ouais, mais l'antidote, ça me servira à quoi? Merci. Les gars, allez. Putain, c'est pas trop tôt. Tiens, bâtard. Putain, mais le nombre de gobelins qu'il y a là aussi. Heureusement que je n'arrive pas à les compter parce que je sais pas combien j'en ai tué depuis le début. Bon allez, ça arrive encore. C'est quoi cette famille? Ah merde, j'ai plus de vie. Voilà. Ah, je voulais l'aider, fuck. Non, c'est moi qui me retrouve dans la merde. Non, mais c'est impressionnant, n'empêche, le nombre de... On est tous morts. Ah, je peux pas les utiliser. Ah, nickel. Ah, putain. Ah, quand je suis en l'air, je peux pas me refiler un antidote. Ils sont tous en train de se faire bouillard.
Là j'aimerais aller en hauteur en fait. Mais ils me font trop mal, regarde-moi cette bombe. Putain. Là, ok, il s'est enlevé le truc. Ouais bon, j'ai regagné ma vie. Ah mais pourquoi j'ai encore ce truc d'infecté là? Les gars, ça sert à rien de se battre. Et toi le bon, t'étais pas censé... Allez, bouge! Ça sent bon
a reçu un nouveau pouvoir astral. Désormais, Ramu volera son secours si ses PV tombent à zéro. Notez cependant que les conditions d'utilisation étant particulières de la démo, les ennemis vaincus grâce à l'invocation. Oui. C'est bon. On peut sortir. Soutenez-vous, sauvegardez votre progression, oui. Ça va être sympa, écrivant. Direct aller au... Ah bah y'a un camp juste en face. Là. Non. Après on va aller au camp et on s'arrêtera là. Putain mais c'était impressionnant quand même. Le petit gobelin là qu'il y avait. Par contre là je vais en mettre un autre joueur. Oh putain, je suis mort. Mais sauvez-moi, bande de bâtards. Putain, quel monde. Ouais, point de contrôle. Allez. Putain, les chargements, ils sont bons, par contre. En même temps, ça... Il y a une grosse map à charger, pas mal de trucs, donc... Ça peut se comprendre, putain. J'ai fait bien 4 heures de Final Fantasy, ça fait du bien, ça faisait longtemps. Allez. Par contre, ce qui est drôle, c'est que j'ai acheté l'édition collector de Final Fantasy 0. Et moi, je joue à la démo de Final Fantasy 15, quoi. Non, en même temps, le 15, quoi. Le 15. Là pour le coup. Ouais allez si juste deux points je suis sûr ça va me faire augmenter un petit niveau en plus ou la moitié d'un lance là. Putain j'en ai pas touché un seul quoi. Là ça y est. Voilà. Fusion. Voilà. Un peu serein et tout ça, ça va faire mal. C'est trop de dingue. Oh. Ah là j'ai pris tout le phoenix, je vais me botter des mains. Putain j'aurais fait bien mal. Aïe putain je m'en dis. Je fous ça parce que là sinon. Ah oh, putain. Le problème c'est qu'ils sont vachement rapides. Croix invocation. Allez, sauve-moi, ma gueule. Je me disais que j'avais ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est quoi cette connerie? J'ai fait croix invocation et ça a rien fait. Oh là là, vas-y, je les attaque plus. C'est bon. Putain, les gobelins, ils ont les misères, quoi, du coup. On sort de la grotte, c'est bon, on se fait bouillir, quoi. On peut même pas affronter des petits loups de merde. Putain, ils nous ont infectés jusqu'à la moelle. En plus, à chaque fois, ça fait ce putain de chargement super long. Ça rame. Allez, saloperie. Je vais m'énerver, tu vas voir. Alors le camp, mais le camp.
cœur. Et le niveau suffisamment des ennemis pour quitter un combat, ok. Merci. J'avais pas remarqué. C'est Diplodocus, mon gars. J'aimerais bien les affronter, eux. Juste pour voir. Ça me rappelle dans Final Fantasy XIII 2, l'espèce de tortue géante qu'il y avait dans la plaine, dans la grande plaine, je sais plus comment elle s'appelait. Ah. On va bien voir ce qu'on gagne. J'étais niveau 12. Ah, ça a l'air meilleur. Un petit ragoût. Alors, j'étais niveau 12. Oh my god. Ah ben là mon gars, ça me fait du bien, oui. Vous ne pouvez pas apprendre des compétences dans la démo. Ah ça, j'avais pas fait gaffe. Ah ok, donc là normalement si on n'était pas dans la démo, quoi, on apprenait 50 000 compétences. Ok, génial. Bon ben voilà les gens. On se fera un autre let's play pour aller vaincre le behemoth. Mais bon là, vu que j'ai fait au moins 3 ou 4 let's play dans la journée, je vais attendre un peu avant de faire le dernier, bon peut-être ce soir ou un autre jour. Donc moi je vous laisse sur ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde. Yeah.